Voilà, j'ai voulu du coup effectivement essayer de structurer le propos autour de pourquoi, ça, pour qui et comment. Vous allez voir, certaines choses ont déjà été beaucoup, enfin ont déjà été évoquées, peut-être un peu différemment, ce qui va effectivement moi aussi me faciliter les choses. Et puis en arrière-pensée, la question c'est et où en est la France? Vous allez voir pourquoi c'est parfois un peu traumatisant d'aller dans certains congrès. Il faut absolument qu'on donne à David Magdette de nouvelles données et pour qu'il puisse faire de nouvelles figures. Vous allez voir ça plus tard. Et puis signaler dès à présent que une des de nos tentatives pour essayer d'aborder ce problème, c'est d'avoir mis en place un réseau qui était un réseau informel, qui s'appelle le réseau Transition, qui depuis donc 11 ans maintenant organise des journées annuelles à l'hôpital Sainte-Anne, qui s'appelle les JPJAD. Certains sont peut-être déjà venus. Et on a essayé quand même de lancer un certain nombre de choses. La CARM, enfin, les outils ont été traduits avec des amis québécois et avec Philippe, etc., etc. Et finalement, pendant ces 10 ans, ça a permis de mûrir un petit peu les choses, mais à vrai dire, pendant 10 ans, l'application et l'implémentation dans nos services de soins a été, on va dire, assez en retard par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays, y compris des pays très proches. Déclaration de lien d'intérêt par principe. Voilà, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est que la schizophrénie. La schizophrénie, c'est effectivement pas très sympathique quand on ouvre son dictionnaire ou Wikipédia. Simplement, il faut aussi se rappeler que on sait que ce sont des maladies qui ont une vraie grande hétérogénéité entre les différents patients, mais aussi pour un même patient avec des phases évolutives très, très, très variées. Et face à cette image de c'est une maladie chronique, etc., etc., il faut quand même se rappeler que de toute façon, il y a quand même des moments où les patients ont des phases d'amélioration. Et malheureusement, ce qu'on voit, il y a le biais que nous avons, nous, médecins hospitaliers ou nous, médecins de ces secteurs, de ne voir que ceux qui ne vont pas bien. Il faut se rappeler qu'il y en a qui ne vont pas si mal que ça et que cette image-là, elle doit vraiment changer, même enfin, de base. Il faut admettre qu'un certain nombre des patients réussissent à aller bien, et toute l'idée de l'intervention précoce, c'est bien sûr qu'il y en ait encore plus. Une autre chose, c'est la question des limites incertaines. On a cité, Jean Chambry a repris très bien, de façon très, très, très didactique, l'historique de ces maladies. Aujourd'hui, on a le sentiment, enfin, une des hypothèses, c'est finalement, nos catégories diagnostiques qui sont utiles dans certains contextes, notamment quand on doit mettre un code en bas d'un compte-rendu pour l'activité, eh bien, ils ne reflètent pas la réalité de la maladie ou des processus. J'entendais dire le mot éthiopathogénique, moi je dis souvent physiopathologique. Je pense qu'en fond, on ne met pas le même sens, mais finalement, on s'adresse à la même question. C'est-à-dire, quand on veut essayer de définir une maladie, on essaye de comprendre les mécanismes qui mènent au processus pathologique. Et ça, aujourd'hui, finalement, quand on y regarde d'un peu près, ces mécanismes-là, ils sont en partie communs au retard mental, à la déficience intellectuelle, à l'autisme, à la schizophrénie, aux troubles schizoaffectifs, aux troubles bipolaires et aux troubles dépressifs, avec un continuum qui va du plus cognitif au moins cognitif, du plus développemental au moins développemental, avec peut-être aussi un double continuum inversé pour la dimension affective, qui est évidemment plus importante dans les troubles affectifs. Alors, quatre notions clés sur lesquelles j'irai en partie rapidement. Les enjeux médico-économiques, il faut quand même le rappeler que les troubles psychotiques dans leur ensemble sont réellement un fardeau pour notre société. Et peut-être que ça pourrait être un levier pour avoir plus de moyens pour les soigner mieux. La petite figure que vous voyez en bas montre ce qu'il faut voir, et je pense que vous le voyez même d'un peu loin. Quand on regarde de 10 à 30 ans, la principale cause de maladies handicapantes, enfin, qui ont un retentissement fonctionnel, c'est ce qui est coloré en orange, ce sont les troubles mentaux. Donc on ne peut même pas parler de santé de l'enfant, de l'adolescent, sans parler de santé mentale. La deuxième notion, c'est que l'adolescence cérébrale, je ne parle pas seulement de puberté, l'adolescence cérébrale, ça correspond réellement à une période critique qu'on est en train de commencer à comprendre.
avec des processus assez complexes de myélinisation, de diminution de synapses. L'adolescent qui regarde le plafond et qui a l'air fatigué, il ne faut pas trop lui en vouloir, son cerveau est en train de maturer et c'est une maturation qui est probablement aussi importante que celle des dernières phases de construction du cerveau au moment du développement. Pour faire simple, certaines images nous permettent de comprendre qu'il y a quand même une révolution chez nos jeunes qui passe de l'enfant subitement à un adulte un peu boutonneux au départ. La troisième notion clé, c'est celle de stade, et là les précédents orateurs ont largement entamé la description, des stades cliniques plutôt que des catégories pour adapter les prises en charge. Bien sûr, on ne va pas se débarrasser complètement des catégories, mais dans certaines situations, les catégories ne comptent plus, et notamment dans la question des psychoses émergentes, et c'est pour ça d'ailleurs que de plus en plus les personnes ouvrent le champ à les pathologies émergentes d'une manière générale. Et puis, cette question des déficits fonctionnels précoces, à prendre en charge précocement, puisque c'est ça qui a un ressortissement fonctionnel, bien sûr, des symptômes psychotiques aigus sont invalidants, mais les déficits cognitifs, les déficits fonctionnels sont également extrêmement impactants sur la qualité de vie. Et finalement, globalement, ce champ a pour objectif d'éviter de limiter la chronicité. Bien sûr, du coup, il va falloir repenser nos parcours de soins, repenser les lieux et les modalités de soins. Un tout petit peu de science, du coup, je n'ai pas complètement quitté ma casquette de chercheuse. Si on prend l'évolution des trous, vous avez ici, c'est la représentation d'un trouble qui commence à apparaître avec quelques tout petits symptômes dans l'enfance, puis qui progresse au moment de l'adolescence jusqu'à une phase avec un premier épisode qui est ici, et puis des différentes phases plus ou moins chroniques avec un déficit fonctionnel résiduel. Ça, c'est pour rappeler qu'il y a cette période du développement ici précoce, puis cette période de réorganisation très importante et à vrai dire assez méconnue hein, dans la littérature scientifique. On retrouve peu de choses avant une dizaine, quinzaine d'années, avec des remaniements des synapses et puis un certain nombre de modifications des circuits. Les différentes régions cérébrales ne se connectent plus de la même manière. Et puis cette phase-là qui est plus une phase où on essaye de ne pas laisser le vieillissement avancer trop vite. Et ce qui est très important, et ça a été cité, c'est qu'effectivement on considère aujourd'hui que cette période-là est une période d'opportunité, non pas seulement pour avoir un traitement symptomatique, mais pour réverser les processus pathologiques. Si on comprend ce qui se passe pendant cette phase-là, on pourrait peut-être identifier, et je le crois, des mécanismes qui permettraient d'empêcher la progression de la maladie. Une diapositive un peu chargée, juste pour rappeler que... on est devant des maladies qui sont polyfactorielles. Et il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a que la clinique qui compte. Ouais, pardon, excusez-moi, je savais que je me tromperais. Il n'y a que la clinique qui compte avec les différentes dimensions de la maladie. Vous voyez ici le double gradient neurodéveloppemental d'un côté, affectif de l'autre, les différentes pathologies qui étaient tout à l'heure signalées. Donc, ce n'est pas que les symptômes, mais finalement, les symptômes sont la résultante d'interactions entre de la génétique, d'un certain nombre de variants qui fait qu'on n'est pas tout à fait pareil, même si ce n'est pas pathologique en soi, et puis un certain nombre de facteurs d'environnement qui vont du coup modifier l'expression de notre génome. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. En termes de facteurs d'environnement, les principaux facteurs qui ont été reconnus comme ayant un effet significatif, clair et net, ce sont le cannabis, les infections, avec plus ou moins de spécificité, puis des questions beaucoup plus vastes comme l'urbanicité, qui est probablement un proxy d'autres phénomènes, et puis aussi il faut quand même mentionner le stress social, qui est manifestement un facteur majeur. Donc quand on parle de prévention ou d'intervention précoce, eh ben on va essayer, mais décidément je ne vais pas y arriver, on m'a dit que c'était un test psychomoteur, je crois que je suis en train de le rater. Sachant que je travaille un peu sur la cordillère. Bon, enfin, ceux qui me connaissent doivent rigoler. Donc effectivement, on est sur cette question d'interaction entre des stress sociaux et entre ces facteurs-là. Et puis, dans le modèle que je vais décrire après, il faut se remettre ça
cette dimension supplémentaire qui est cette dimension de diachronie, d'apparition des symptômes, de progression de la maladie ou de progression des troubles dans un contexte où il y a une vraie progression de la maturation cérébrale. C'est vraiment un phénomène dynamique et aujourd'hui nos classifications prennent très peu en compte ça. Donc du coup, et ça en général, c'est des choses sur lesquelles on se retrouve avec les pédopsychiatres, c'est que c'est extrêmement important lorsqu'on voit un patient de recueillir son histoire développementale, et on a des parcours qui vont être très différents, et probablement, enfin c'est pas seulement probablement, il y a des éléments aujourd'hui pour montrer que quelqu'un qui a une histoire développementale très chargée, il va avoir une réponse et une tolérance au traitement qui est complètement différente. Donc il va falloir prendre en compte ces dimensions-là aussi. Et puis j'ai pas marqué là, j'aurais pu le marquer, c'est toutes les, bien sûr les complications obstétricales. Voilà, ça c'est le schéma sur lequel j'ai passé quelques années à essayer de travailler, où vous retrouvez ça un peu simplifié, c'est-à-dire il y a bien sûr des facteurs génétiques, ils existent. On sait aussi que ces facteurs peuvent être parfois modulateurs de la réponse à l'environnement. Et puis, si on doit réfléchir à c'est quoi l'intervention précoce, on est plus ou moins vulnérable à un trouble, que ce soit de la dépression, que ce soit de la psychose. On va au cours de notre vie rencontrer un certain nombre de facteurs précipitants, plus ou moins modulés par des facteurs génétiques. Et puis, l'évolution se fait soit vers l'évolution, vers une pathologie, on aurait pu mettre addiction ou dépression, soit finalement, on reste juste vulnérable. Et tout le pari, c'est ici d'arriver à avoir des interventions préventives qui vont faire que vulnérable n'est pas malade, et vulnérable, on le reste, mais ce n'est pas très grave. Ça fait partie de la diversité. Et là-dedans, il faut qu'on ait cette notion de maturation. Vous avez ici la représentation là, de la perte de la substance grise au cours de l'adolescence chez un adolescent standard, entre 10 et 20 ans. Et vous voyez que les régions, la perte est de plus en plus importante au fur et à mesure de l'avancée en âge, avec cette réduction qui finalement gagne, ils perdent quasiment 10% de leur cortex. Enfin, ils perdent. Nous avons perdu aussi, au passage. Il n'y a pas si longtemps que ça. Juste une figure d'un travail qui a été fait par Oussama Kebir et Boris Chemin dans le laboratoire et qui est vraiment un gros travail. Lorsque vous voyez ça, vous avez quand même l'impression que ce qui se passe ici, ce n'est pas tout à fait la même chose que ça. Donc on pourrait classifier, en tout cas, ce groupe-là vis-à-vis de ce groupe-là. La manip elle-même, c'est une étude de méthylation où on a regardé la dynamique de la méthylation, donc c'est une sorte d'épigénétique. On regarde, sans faire d'hypothèse, on a regardé 450 000 points et on a comparé l'évolution de la méthylation entre les patients qui vont évoluer vers un trouble psychotique et puis des patients qui ne vont pas évoluer vers un trouble psychotique. Et vous voyez ici qu'on trouve effectivement deux classes. Ici, c'est ceux qui ont fait la transition. Ici, c'est ceux qui n'ont pas fait la transition. Et bien sûr, maintenant, il faut aller explorer quelles sont les voies de signalisation, quelles sont les voies biologiques qui sont altérées. Globalement, je vais vous éviter la lecture de ce papier très compliqué, pour moi-même d'ailleurs. Globalement, il y a trois voies qui sont intéressantes. L'une, c'est autour de la neuroplasticité, tous des mécanismes de neuroplasticité, donc de récupération. L'autre, c'est des voies de l'inflammation, l'IL-17 en l'occurrence. Et puis une troisième voie qui est plutôt une voie sur la régulation du système redox, qui est très étudiée à Lausanne par Kim Do et Philippe Conus. Donc finalement, on a l'impression que ce qui différencie ceux qui ont fait la transition et ceux qui n'ont pas fait, c'est peut-être quelque chose qui est de l'ordre de la perte d'une homéostasie face à un processus complexe qui est des facteurs d'environnement, une nutrition pas forcément comme il faut, enfin plein de facteurs. Et en tout cas, ça donne des pistes pour éventuellement empêcher l'évolution ou améliorer ou booster les gens pour que la neuroplasticité soit la meilleure possible. Alors cette figure-là, vous l'avez probablement déjà vue, c'est la figure de Fusarpoli de la revue là, de 2013 qui reprend les différentes phases. La phase prémorbide, c'est ce avec quoi vous arrivez dans la vie avec éventuellement, possiblement parfois déjà des petites difficultés liées au développement. Mais il n'y a pas de dysfonctionnement ou si peu. Et puis cette entrée dans la maladie, symptômes de base ou symptômes non spécifiques, puis la phase de psychose atténuée, qui est la phase qu'on appelle prodromique tardive, puis les symptômes psychotiques brefs, spontanément résolutifs, puis enfin les troubles psychotiques. Donc cette littérature a vraiment aidé à ce qu'on appelle le staging, c'est-à-dire la définition de ces différents stades.
avec la notion, et ça c'est les travaux de Daffner qui ont montré ça, que la durée de la phase prodromique c'est 4 à 5 ans, donc on a largement le temps d'intervenir éventuellement sur certains facteurs qui pourraient être précipitants ou augmenter les facteurs protecteurs. C'est ce qu'on appelle la prévention ciblée. Et puis, vous avez après ça, mon animation ne va pas marcher, l'intervention précoce, c'est-à-dire d'arriver très tôt après le début des symptômes psychotiques francs. Oui, mais en France et dans d'autres pays, les patients qu'on voit, en fait, ils sont hors champ. Les patients qui se voient sont hors champ parce qu'on n'est déjà plus dans le premier épisode, généralement, où on est déjà dans un premier épisode vieilli, entre guillemets. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est quand même un peu la réalité. Et en fait, pour de vrai, on ne sait pas quelle est la DUP en France, vu qu'il y a très peu d'études. On a une petite étude, nous, mais sur une population non représentative. Il y a une autre étude qui a été faite dans un article publié par Guillaume Font sur les cohortes fondamentales, pour lequel on a un chiffre qui est de 1,6 ou 1,5, mais on n'a pas l'écart type. Et les auteurs m'ont révélé que l'écart type était impressionnant. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas exactement quelle est la vraie DIP en France. Je crains qu'elle ne soit pas terrible. En tout cas, on est au-delà d'un an. Et donc, la plupart des patients qu'on voit, quand on vous dit un premier épisode psychotique, ce n'est pas toujours un premier épisode schizophrénique, c'est difficile à comprendre, dans la mesure où les patients qu'on voit, on est déjà dans une phase qui est un petit peu entamée vers une chronicité. Et réellement, il y a du chemin à parcourir, puisqu'il va falloir qu'on soit proactif pour réussir à vraiment déplacer le champ. Mais vous voyez que le champ de l'intervention précoce, il est là, il n'est pas à l'autre bout. Ah pardon, j'ai juste oublié. Vous allez voir sur quelques diapos, du coup, cette adresse. Je vais le dire tout de suite, comme ça vous aurez le temps de le noter. Cette adresse a un lien internet pour remplir une enquête, pour avoir des données de terrain sur votre dernier patient, premier épisode. Quelle était la durée de sa psychose non traitée ? Selon vous, sur des critères critiques. On va faire ça très simple. Voilà, donc aap.institutdepsychiatrie.org/enquête-DUP. Elle revient plusieurs fois. Voilà, bon, ça a été un petit peu dit aussi. C'est quand même revenir, les basiques, c'est ça. Hein, c'est les symptômes qui ont été identifiés par Hafner dans cette étude, qui étaient des premiers épisodes schizophréniques. Lorsqu'il a regardé les symptômes qui étaient présents sur une durée moyenne de 5 ans, les trois quarts des patients avaient ce type de symptômes, plus insidieux chez l'homme. C'est des symptômes qui ne sont pas tous très spécifiques. Vous voyez que notamment les plus fréquents sont plutôt les troubles du sommeil, de l'appétit, l'anxiété, l'inquiétude, etc., etc. En clair, la plupart des personnes passent à côté lorsqu'ils voient un patient avec des symptômes prodromiques. Donc la question, c'est comment on va pouvoir améliorer notre capacité à les repérer. Et puis ça, je vais passer rapidement. On sait que c'est associé à une moins bonne réponse thérapeutique et à une toxicité biologique, peut-être, pas complètement démontrée, mais une toxicité sociale, comme ça a été rappelé. C'est-à-dire qu'ils quittent leur trajectoire de vie, ils sont décalés par rapport à leurs camarades. Alors pour qui on fait de l'intervention précoce? Juste rappeler, c'est donc effectivement ces différents stades qui ont été établis. Eh bien, l'intervention précoce aujourd'hui, elle n'est pas sur la phase de vulnérabilité asymptomatique. Ce serait là, c'est de la prévention en milieu, en population générale. Si on doit se concentrer sur deux phases, ce sont le stade du premier épisode, bien sûr, et puis le stade de symptômes atténués, soit les blips, ça ne fait aucun doute, soit les symptômes atténués psychotiques. La question se pose, et probablement le dosage de l'intervention est différent chez des personnes qui n'auraient que des symptômes de base, quoique les symptômes de base sont assez prédicteurs d'une évolution vers un trouble cognitif, plus ou moins un trouble schizophrénique. Et en tout cas, vous voyez que la spécificité ce que j'ai représenté ici, c'est que la spécificité des symptômes et le handicap est croissant au fur et à mesure. Et bien sûr, il s'agit d'intervenir suffisamment tôt. J'ai essayé du coup de représenter, parce que ce n'est pas toujours très clair, ces différents seuils. Au fond, quand je dis on ne va pas intervenir chez les gens qui sont que vulnérables, ça veut dire qu'il y a un seuil qui est un seuil de ultra haut risque. Et c'est à ça que les échelles peuvent nous aider à déterminer, est-ce qu'on est déjà dans un processus où il y a des symptômes qui commencent à compter ou non. Et puis vous avez aussi bien sûr le seuil de psychose qui là veut dire qu'en clair c'est l'introduction des antipsychotiques.
Donc c'est ces différentes phases, prémorbide, c'est la vulnérabilité, la phase à risque avec ces deux phases, symptômes de base, symptômes atténués, et puis la transition, le premier épisode psychotique. Okay. Comme ça, on sait de quoi on parle. Et puis, ce qu'on a défini tout à l'heure, la DUP, c'est la durée de psychose non traitée en français. C'est donc le début entre le psychose clair, qui, si vous le voyez, le patient, vous ferez le diagnostic d'épisode psychotique et le début du traitement. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là et où ils vont tous ces patients-là. Et puis pour rappeler que l'évolution n'allait pas que vers la schizophrénie, elle est aussi vers le trouble bipolaire, mais aussi vers l'abus de substance, des épisodes ou des états limites, parfois des troubles de type anxieux, et notamment les troubles du stress post-traumatique. Et puis parfois, il y a ceux qui ont une rémission, tout simplement, y compris après un premier épisode, des rémissions à quasi intégrantes. Voilà, c'est ce que je rappelle ici. Donc la psychose débutante, finalement, elle inclut le premier épisode et la phase prodromique tardive. Elle se distingue de la phase chronique, mais c'est pas un jeune schizo, c'est pas seulement un schizo qui a moins de 25 ans. Je reprends ça avec plein de guillemets, hein, vous pouvez mettre triple guillemets. Elle se distingue de la vulnérabilité classiquement asymptomatique, même si parfois il y a déjà des petites difficultés. Et puis une notion, effectivement, early psychosis et psychose débutante ou psychose émergente, pour reprendre le terme de Suzanne Parisot. Mais ce n'est pas les psychoses à début tardif, début précoce. C'est un domaine qui est complètement différent. Voilà. Alors. La définition, si on prend un peu des critères cliniques, c'est en gros c'est des symptômes psychotiques à un niveau cliniquement significatif pendant plus de 7 jours sans résolution spontanée. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que je fais au bout de 2 jours? C'est une vraie question. Je n'ai pas la réponse. Est-ce que j'attends 7 jours pour savoir si ça se réduit ou non pour mettre un antipsychotique? De toute façon, s'il y a des symptômes psychotiques, vous allez l'engager dans un suivi tel qu'a l'a fort bien décrit Philippe Conus. Mais l'introduction ou non d'un antipsychotique est une vraie question. Donc ça, je l'ai dit, un premier épisode psychotique n'est pas nécessairement un premier épisode psychotique. Tout ça, je l'ai déjà dit, donc je passe. Alors, prendre en charge précocement dès le premier épisode, quelles sont les questions qu'on se pose quand on voit un premier épisode? On se pose la question de quelle est la durée de psychose non traitée, parce que du coup, on va anticiper éventuellement une plus bonne réponse thérapeutique, les comorbidités essentielles, le bilan pré-thérapeutique, la réponse thérapeutique, la compliance aux soins, et puis essayer d'avoir un pronostic clinique, et on nous pousse à faire un diagnostic catégoriel, mais honnêtement, vous pouvez soigner vos patients sans avoir besoin d'un diagnostic catégoriel. La situation est assez différente. La situation est assez différente lorsqu'on se place avant la transition psychotique. Parce que qu'est-ce que vous avez? Vous avez des symptômes qu'on a vus tout à l'heure, qui sont relativement peu spécifiques, de la dépression, de l'anxiété, des troubles du sommeil, des troubles de la concentration, des petites idées bizarres, des impressions un petit peu éventuellement quelques idées de référence. Et là, les questions, elles sont compliquées, en tout cas pour les psychiatres d'adultes, puisqu'on a moins l'habitude de ça, c'est peut-être plus fréquent c'est naturellement plus fréquent chez les psychiatres en charge d'adolescents, parce que là, vous savez pas ce que ça va devenir. Vous êtes dans une situation où vous craignez quelque chose, mais vous ne savez pas exactement comment ça va être. Donc la question de, est-ce qu'on peut améliorer la prédiction de l'évolution? C'est une vraie question. Maintenant, c'est pas la seule, donc ça va avec les biomarqueurs, etc., mais c'est pas la seule, et finalement, les vraies questions, à mon avis, sur lesquelles on achoppe aujourd'hui, pour commencer à faire des soins de qualité dans cette situation-là, c'est la question d'adapter les prises en charge et d'adapter les lieux de prise en charge, et puis d'adapter l'organisation des soins. Ce qu'il y a de spécifique à ce domaine, c'est que ça nous interroge sur la validité de l'organisation actuelle des soins en France. Pour la psychiatrie, en tout cas pour la psychiatrie de l'adolescent. Parce que pour faire rapide, je disais tout à l'heure, aujourd'hui on voit que ce champ-là est investi beaucoup par les psychiatres d'adultes, parce qu'on s'est tous dit, mais bon sang, ça fait 3 ans qu'il avait des symptômes psychotiques, pourquoi on ne l'a pas soigné avant? Sauf que si on fait ça, on n'aura jamais accès à des patients plus jeunes ou plus jeunes dans la maladie. À l'inverse, si c'est que la pédopsychiatrie, avec les moyens qu'elle a aujourd'hui, le peu de lits d'hospitalisation, globalement, les pédopsychiatres suivent parfois jusqu'à 20 ans, mais ils suivent jusqu'à 20 ans des patients qu'ils ont déjà eus avant.
Mais finalement, ceux qui passent complètement au travers du système de soins, c'est les 15-25 ans qui débutent une histoire et qui n'avaient pas forcément des troubles, en tout cas pas des prises en charge établies avant. Donc c'est en ça qu'il y a un vrai challenge pour lequel évidemment je n'ai pas la réponse complète. Je pense qu'il y a des solutions qui peuvent être envisagées. Mais la première des solutions, c'est qu'on parle un langage qui soit suffisamment compréhensible de chaque bord, parce que les patients ils ne comprennent plus rien, les parents non plus, et puis qu'on construise et qu'on essaye de voir comment on peut mettre en commun pour avoir ces soins adaptés à cette tranche d'âge-là et à cette situation de pathologie émergente. Aujourd'hui, on ne les a pas. Ça, c'était un schéma que j'ai repris là, des recommandations australiennes sur la question de... On passe de prodrome, où on sait que la personne a eu la maladie, et on regarde ce qui s'était passé avant, c'est la définition des prodromes, à cette définition de sujet à risque d'une évolution, pardon. Décidément, là, non, ça a bougé tout seul, là, je vous jure. À une situation où on ne sait pas l'évolution et on doit avoir une position qui va évidemment devoir nécessiter qu'on revoie l'évaluation du bénéfice-risque, etc. Et notamment dans les prescriptions médicamenteuses. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper. Ce qui ne veut pas dire non plus, parce que parfois c'est la remarque qu'on a, que ce sont des jeunes qui vont bien. Les jeunes qui ont des symptômes de psychose atténuée, ils commencent déjà à ne pas aller bien. C'est le début où ils commencent à moins se concentrer, à être en échec, à ne pas se sentir bien, etc. etc. Donc ce sont des jeunes qui vont pas bien. On ne va pas aller chercher des jeunes qui vont bien chez eux, ce qui est parfois reproché. Alors, prédire, prévenir, effectivement, actuellement, la prédiction avec les critères cliniques, elle est très mauvaise. Enfin, elle est très mauvaise. Les critères cliniques sont absolument indispensables, mais ils ne sont pas suffisants pour avoir un arbre décisionnel complètement établi. En tout cas, si on se pose la question unique de prédire la transition psychotique. Parce qu'aujourd'hui, la discussion, elle est ouverte au fait qu'il faudrait pouvoir prédire l'apparition d'une maladie plus largement et éventuellement d'un trouble, enfin, un trouble de l'humeur ou autre pathologie qui vont nécessiter des soins. Donc si on se fie à ça, effectivement, en gros, c'est 30% à 3 ans. Donc vous voyez que vous allez voir beaucoup de personnes à risque qui ne vont pas évoluer vers un trouble psychotique. Donc comment on peut améliorer ça? Alors on peut imaginer, c'est le domaine de la recherche, d'améliorer ça. Il y a maintenant des travaux qui commencent à être très convaincants sur améliorer ça avec de l'imagerie, avec certains biomarqueurs, etc., etc., qui vont peut-être permettre de savoir un peu plus tôt si c'est plutôt un trouble de l'humeur bipolaire ou si c'est plutôt un trouble schizophrénique. Mais aujourd'hui, on ne les a pas, c'est encore du domaine de la recherche. Ça, c'est la définition qui a été rappelée par Jean Chambry, pour ceux qui n'étaient pas dans la salle. Je vais juste la reprendre rapidement, mais pour comprendre que cette définition, du coup, elle a l'avantage, elle peut être critiquée, elle peut être discutée, etc., etc., mais elle a l'avantage de rappeler, d'abord d'être un cadre pour savoir de quoi on parle quand on se parle entre nous. La première des choses, c'est que, je disais, ils ne vont pas bien, il y a un déclin fonctionnel. S'il n'y a pas de déclin fonctionnel, a priori, ils ne rentrent pas dans la catégorie. Alors, il faut se méfier des gens qui ont un très bon niveau et qui masquent et qui font semblant et qui tiennent bon, finalement, dans les études, par exemple. Déclin fonctionnel, ce n'est pas uniquement réussir ses examens à la fin de l'année. Donc, il y a un déclin fonctionnel et puis il y a trois situations. Soit il y a une vulnérabilité génétique ou une personnalité schizotypique. Donc c'est le groupe vulnérabilité plus déclin fonctionnel, c'est la catégorie qui est probablement la plus discutable, mais qui est bien qui existe dans ces critères-là. Après ça, il y a ces épisodes psychotiques brefs de résolution spontanée, ou bien les symptômes psychotiques atténués. Donc c'est l'une des trois catégories, et puis je rappelais cette notion probabiliste. Donc globalement, c'est une situation clinique un peu aspécifique, il faut s'y faire, en tout cas pour les psychiatres d'adultes, encore une fois, ce n'est pas toujours si simple que ça. Et je rappelle quand même cette notion, ils ne vont pas bien et l'évolution, il y a une étude à relativement long terme qui a montré que l'évolution pour ceux qui n'évoluent pas vers la psychose, il y a une détérioration fonctionnelle assez importante, pratiquement aussi importante pour ceux qui ne sont pas, si on ne fait rien évidemment.
Bon, ça, c'est rapidement la CARMS, juste pour montrer que cette échelle, elle est là pour aider l'évaluation. C'est pas miraculeux, mais c'est vraiment un guide, et notamment pour savoir si on est à ultra haut risque. On n'est pas obligé de faire les 37 items, mais on peut se contenter des 4 premiers. Donc, c'est relativement faisable en clinique. C'est un guide, finalement, il y a un entretien semi-structuré, et ça peut, si vous en avez le temps, aider, en tout cas, à vous dire est-ce qu'il est déjà dans la critère ultra haut risque ou est-ce qu'il n'y est pas. Et avec ces 3 items-là aussi, vous avez aussi cette catégorie de seuil de psychose, est-ce qu'il est déjà dans le seuil psychotique ou pas. Évidemment, dans ces situations symptomatologiques relativement subtiles, c'est pas toujours simple et on peut avoir des idées différentes. Les principes de la prise en charge, je vais aller relativement rapidement, puisque ça a été même très bien décrit par Philippe Colus. L'objectif global, c'est d'améliorer le pronostic, c'est pas forcément de soigner le symptôme. Et donc c'est de limiter la transition psychotique et ses conséquences, d'améliorer l'alliance, extrêmement important, parce que finalement d'intervenir avant, c'est aussi être là si jamais l'évolution, malgré nos efforts, se fait vers un trouble psychotique. Là au moins on va rapidement pouvoir diminuer les symptômes et donc permettre que la trajectoire de vie ne soit pas trop impactée. Il ne faut pas stigmatiser et il faut prendre en compte le bénéfice-risque. Il faut vraiment se rappeler ça à ce niveau-là et le rappeler notamment à ceux qui ont la prescription un peu rapide de certains traitements, et généralement, ce n'est pas les bons. Et puis après ça, il y a des prises en charge individualisées. Ça, c'est ce que recommandent les différentes recommandations internationales. Individualisées, idéalement en centre spécialisé, c'est les Early Intervention Services, qui manquent un peu en France et dont je suggère que collectivement, on essaye de créer un vrai réseau. Ah, ça avance tout seul en fait. Il faut une évaluation complète. C'est une vraie maladie, c'est un vrai choc pour les patients, mais dans un certain nombre de cas, je vous rappelle que 3% des premiers épisodes psychotiques sont liés à une pathologie organique, dont certaines ont une cause qui peut être traitable. Même si c'est rare, ça vaut le coup. Je citerai notamment la maladie de Wilson, où quand vous donnez le chélateur, vous voyez les symptômes, le chélateur du cuivre, vous voyez les symptômes psychotiques régresser complètement. Donc rien que pour eux, ça vaut le coup. Et puis une évaluation complète clinique paraclinique qui est superposable pour les UHR et les premiers épisodes. C'est très important évidemment de connaître le patient, son milieu de vie et ses forces et faiblesses. Voilà, pour mettre en place une stratégie thérapeutique, médicale et globale. J'ai montré ce petit livret qui existe et qui est distribué par les laboratoires ESAI, mais qui est aussi disponible gratuitement sur le site de l'Institut de psychiatrie et qui reprend et traduit les différentes recommandations là-dessus. Vous pouvez le trouver. Premier épisode, là aussi, vous les retrouverez dans ce petit livret. Globalement, le message, c'est on ne fait pas comme dans l'antibiothérapie une dose de charge. On y va mollo, on cherche la dose la plus basse nécessaire et suffisante. Et puis, si on doit augmenter au-delà de la première dose, eh bien, on y va très doucement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une bonne tolérance, notamment chez les adolescents. Et si vous voulez le fâcher avec le traitement immédiatement, vous ne faites pas mieux, quoi. Donc, autant y aller le plus lentement possible. Donc, c'est start low, go slow, c'est-à-dire vous commencez bas et vous augmentez progressivement. Et puis, bien sûr, il y a d'autres facteurs qui vont impacter, qui vont aider à prendre des décisions sur le choix de l'antipsychotique, savoir s'il y a une dimension thymique, s'il a déjà un surpoids, etc. etc. Et puis, vous devez traiter les comorbidités, notamment les comorbidités addictives, mais aussi les comorbidités troubles de l'humeur, parce que c'est très difficile initialement de faire la différence entre les deux tableaux. Ce qu'il faut retenir, personne à ultra haut risque, une altération du fonctionnement, un bilan fonctionnel et médical doit être fait, une prise en charge doit être globale et un accompagnement avec notamment le case manager, avec des interventions qui vont viser les facteurs de risque, l'éventuelle comorbidité et pas d'antipsychotique à ce stade, bien sûr, en dehors de situations particulières d'urgence, de risque suicidaire, etc. etc. Enfin, voilà, il y a des situations, la clinique prime, mais la règle, c'est celle-là. Il y a toujours des exceptions. Et puis, pour le premier épisode, c'est un peu la même chose, si ce n'est qu'il faut intervenir précocement, avoir ce même bilan médical et avoir la même prise en charge. Et finalement, quand vous avez ces types de... C'est des patients qui viennent de faire la transition psychotique, vous apercevez que c'est les mêmes que les ultra-haut-risques, sauf qu'ils ont juste passé le cap, quoi. Voilà. C'est les mêmes gamins, c'est des gamins souriants, en tout cas, quand ils ont récupéré. Mais la capacité d'amélioration est assez impressionnante et très satisfaisante pour les psychiatres qui les suivent.
Ça a été mis en place dans plein de pays, réduction du taux de transition de 30 à 40, plutôt aujourd'hui dans 10 à 11, de 10 à 11%, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus faire d'études sur les nouveaux médicaments, puisqu'ils ont un taux de transition qui est trop bas, et il faudrait des populations extrêmement importantes. C'est le serpent qui se mord la queue. Après ça, on sait aussi que ces centres très visibles attirent des patients qui sont moins avancés dans la maladie, donc probablement ça joue sur le taux de transition. Mais enfin, globalement, quand même, je vous jure, ça fonctionne et... voilà, et donc là-dedans, c'est et la France. Voilà ce qu'on nous montre quand on va dans les congrès internationaux. C'est pour ça qu'on n'y va pas, en fait. Nous, les Français. C'est que, voilà, vous avez la France ici, la couleur rouge, c'est quand il n'y a pas de pas ou un service d'intervention précoce. Donc la question, c'est comment on fait, alors qu'on a un système de soins qui est quand même assez développé, avec une aide sociale très importante. Puis on est des très bons psychiatres, donc c'est pour ça que je me suis permise de dire le French paradoxe, parce que je pense vraiment que c'est une question d'organisation et de compréhension du domaine. Ça, c'est ce que je suis obligée de montrer pour essayer d'expliquer le système de soins en France. Je me trouve régulièrement très en difficulté pour expliciter. C'est assez spécifique. On a un système qui est complètement découplé des soins généraux. Avec, pourtant, là, c'est les avantages, là, c'est les inconvénients. Moi, je suis tout à fait... je défends fermement l'idée de soins de proximité, parce que les gens ne vont pas traverser l'agglomération ou le département pour avoir un accompagnement. Et donc, il faut qu'on réussisse à bâtir sur la notion de territorialité le bon modèle avec la bonne taille. Mais, par exemple, pour citer un chiffre, ce n'est pas le secteur, parce que le secteur, c'est 60 000 habitants à peu près. Donc, bien sûr, évidemment, il y a des exceptions. Mais globalement, il voit l'incidence d'un premier épisode, c'est 1 sur 15 000. Vous faites le calcul, ça fait 6 à 8 pour les plus gros secteurs par an. Vous ne faites pas un programme premier épisode là-dessus. Donc, c'est intersectoriel. Et le bassin de population qui est proposé, c'est de 150 000, 300 000, 500 000, et probablement pas au-delà. Voilà, donc ça, c'est des chiffres importants qu'il faut avoir en tête quand on commence à réfléchir. Et puis, il faut lutter contre cette capacité des Français à avoir beaucoup d'imagination, mais finalement, parfois, avec beaucoup de disparités. Et peut-être qu'il faut admettre que parfois, les cahiers des charges et un certain suivi et accompagnement sur certaines règles de recommandations, d'organisation, de standards... bien sûr, c'est utile et ça permet d'améliorer globalement le système. Donc vous savez aussi qu'on a le médico-social, même topo, c'est super. On a vraiment des ressources et du coup il va falloir aussi trouver des ressources, de faire des liens entre les deux, il y en a, hein, mais c'est pas toujours si simple que ça. Et là aussi c'est très variable d'un territoire à un autre. Et puis avec cette plaie qui est l'accès est dépendant d'une reconnaissance RQTH. Et donc ça prend entre 6 et 12 mois. Ça, je pense qu'on va probablement réussir à dépasser ça, mais c'est un travail à faire avec nos autorités. Voilà. Et puis alors moi, j'ai des psychiatres d'adultes, je m'étais toujours intéressée au développement, donc j'ai très vite commencé à regarder, mais j'avais pas saisi à quel point il y a sûrement des erreurs. S'il y a des erreurs, je veux bien que vous fassiez part pour que je corrige. Mais globalement, quand on regarde un petit peu quelles sont les différentes tranches d'âge, quelles sont les caractéristiques de toutes ces structures, et bien sûr, il y en a plein d'autres. On se dit c'est quand même il y a pléthore et c'est pas forcément bien lisible et c'est pas forcément complètement coordonné. Donc comment on fait? Ils sont tous pluridisciplinaires, mais en fait si on prend les maisons des adolescents, il y a des maisons des adolescents extrêmement performantes avec des psychiatres, puis il y en a d'autres où il n'y en a pas. Donc comment on va faire pour faire de la santé des adolescents sans psychiatre dans les maisons des adolescents? Je ne sais pas personnellement. Voilà. Donc l'intervention précoce en France, beaucoup de structures, peu de visibilité. Et vraiment, c'est ce que disent les patients qui arrivent en disant « mais vers qui me tourner ?» Et les médecins scolaires aussi sont régulièrement dans la difficulté de dire « mais vers qui je l'adresse ?» etc., etc. Ils ont peur de stigmatiser. Donc il faut trouver un moyen d'améliorer ça. Donc j'avais poussé un cri lors d'un congrès de l'UNAFAM sur l'intervention précoce. J'avais proposé une dizaine de points à améliorer pour trouver ça dans santé mentale. Globalement, c'est un peu ce qu'on avait commencé à mettre en place. On est loin du déploiement d'un réseau de centres spécialisés, mais on voit qu'il y a des initiatives qui commencent à voir le jour et avec des gens qui commencent à être formés. Et je pense que je suis plus optimiste aujourd'hui que je n'aurais pu l'être il y a 3-4 ans.
Voilà. Et bien sûr, un des points, parce que on se dit c'est pas important de montrer que c'est rentable entre guillemets. Ben, écoute, pour avoir essayé de discuter au niveau ministériel, au niveau des administrations, de plus en plus, ils nous demandent d'avoir des études médico-économiques. Donc tous ceux qui lancent des études, quelles qu'elles soient, que ce soit des études de soins courants ou des études très scientifiques. Faites une étude médico-économique systématiquement en même temps. On manque de données, je vous dis, la DUP, on ne l'a pas. On manque de données sur le coût, sur les trajectoires de soins, sur les consommations de soins de ces jeunes patients. Voilà, donc c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est donc effectivement de renforcer le réseau transition qui existait, mais qui vivotait un petit peu, pour c'est moi qui le coordonne, donc je peux le dire, pour vraiment voilà, s'appuyer là-dessus pour créer une sorte d'élan national. En tout cas de coordonner un petit peu les choses et d'aider à la définition de standards. On ne va pas réinventer l'eau tiède, c'est-à-dire qu'on va quand même s'inspirer évidemment de ce qui a été discuté par d'autres, et notamment on a la chance d'avoir des francophones qui sont beaucoup plus avancés dans cette organisation-là que nous, et pour pouvoir proposer progressivement quelque chose qui puisse être applicable en France. On a commencé à faire ce travail-là, on a réuni une task force avec quasiment autant de pédopsychiatres que de psychiatres d'adultes qui sont déjà impliqués dans et qui s'étaient déjà heurtés à certaines difficultés dans leur milieu de travail. Et on a commencé à regarder les recommandations. En gros, sur la trentaine d'items, il y en a, on va dire, une vingtaine qui ne posent pas de soucis. Et puis après ça, tout ce qui correspond à la définition des rôles, des métiers, le rôle des infirmières, des pratiques avancées, les différents métiers, et surtout l'organisation et le parcours de soins. Là, c'est plus compliqué. Il va falloir qu'on traduise ça et qu'on essaye de mettre des mots français et de trouver des solutions qui vont être variables selon les territoires. Alors, de quoi a-t-on besoin quand on veut essayer de monter les choses? De savoir quel bilan il faut faire, de savoir quel traitement on donne, d'avoir des outils d'évaluation. Bon, globalement, ce n'est pas parfait, mais ça, on l'a maintenant. On a aussi besoin, ça fait partie vraiment des choses indispensables à mettre en place, d'avoir des groupes, un programme de groupes de patients et d'avoir des groupes de psychoéducation et d'avoir non seulement pour les patients, mais pour les parents. Donc ça, c'est quelque chose, je vais vous montrer rapidement, qu'on a commencé à développer sur la base de ce qui a été fait par Tania Lecomte et repris par Laurent Le Quart d'Heure, et tout ça est co-écrit et co-adapté. C'est aussi d'avoir de la formation sur le case management, puisque c'est le pivot de la prise en charge, et ça, on a la chance d'avoir pas trop loin un expert qui fait des formations, et puis d'avoir des outils pour l'intervention dans le milieu, ce qui n'est peut-être pas complètement abouti aujourd'hui. Tout ça est bien sûr du work on progress. Donc ça, c'est le programme qu'on a repris pour le mettre, qu'on est en train d'écrire sur le mode ARS, pour avoir la reconnaissance du programme de psychoéducation parents-enfants. Les parents sont les parents des enfants, et on fait les groupes en parallèle. Ça, c'est le modèle qui a été proposé par Tania Lecomte. Le modèle initial, c'est AVEC et TCC. Et on a conçu un programme en 12 séances. Donc c'est plus léger pour ceux qui connaissent ProFamille que ProFamille, puisque c'est que 12 séances, donc 12 semaines, c'est déjà quand même assez important. Et puis ce qui est important, c'est pas seulement d'enseigner sur la maladie, mais surtout du comment je peux faire, et effectivement enseigner ces techniques de comment faire avec, de coping, d'adaptation, de gestion du stress, etc. Sans oublier de faire un peu de prévention sur les consommations de toxiques, etc., etc. Donc on a déjà fait un round d'essais, et je n'ai pas réussi à mettre la vidéo, mais c'est vraiment extrêmement instructif pour nous et manifestement très apprécié. Bon, on avait sélectionné des patients qui pouvaient accepter un programme qui commençait, qui n'était pas complètement écrit, mais vraiment c'était très intéressant. Et puis on a mis en place un certain nombre de formations, le DU, pour le DPJAD, des masterclass. Donc l'année dernière, on a fait une masterclass avec, je vois que je m'étais engagée à faire une formation à la CARMS en octobre 2018. Soyez rassurés, ça va être reporté. Vous pouvez vous inscrire. Philippe s'était engagé à me donner une date pour janvier 2019, donc il y a des témoins. On a fait l'année dernière en 2018, et puis un programme de psychoéducation qui a eu lieu et qu'on va refaire aussi, et puis et donc sur la base du case management. Donc vraiment essayer de pousser la formation et de rendre accessible cette formation et ce savoir-faire. Alors bien sûr, le case management, il y a des choses qu'on sait faire. Après ça, il y a vraiment une philosophie, et puis il y a aussi cette question d'avoir un ensemble de services à proposer.
poser dans le même temps, parce que si vous faites un truc et qu'il n'y a pas l'autre, enfin, voilà, ça devient compliqué pour les patients. Donc, il faut essayer d'aller le plus vite. Ça, c'est par exemple, c'est une des diapos que j'ai piquées à Amal, dans la salle. J'ai laissé un tes logos. On s'est dit, on a lu les principes fondamentaux de l'intervention précoce, accès facile et rapide au service, et limiter les obstacles qui causent les délais, intervention qui débute rapidement, le suivi intensif dans le milieu avec attribution, je crois que c'est dans les 24 heures d'un case manager, un éventail d'interventions biopsychosociales basées sur les preuves et faire de l'engagement des patients et de la continuité des soins une priorité. On vote pour ça. Je pense que personne dans la salle va dire c'est pas bien. Enfin, je sais pas, peut-être. Je m'engage. La question, c'est comment on y arrive. Ça, c'était pour souligner aussi, ça, c'est le programme EPIC qui a été cité par Philippe Conus. Je montre cette diapo parce que il y a bien sûr les soins auxquels on pense sur le premier épisode, etc. Et puis il ne faut pas oublier que parfois ils ne vont pas bien. Donc il y a besoin de penser dans son dispositif, d'avoir des accès à des soins aigus qui ne soient pas à l'antithèse de ce que vous êtes en train de faire. On ne peut pas mettre un programme sur le premier épisode sans faire de la détection précoce, parce que sinon ils arriveront avec la même DUP 10 ans après. Et puis, il faut bien sûr travailler sur le rétablissement. Ça, je pense qu'en France, il y a de plus en plus de plateformes qui aident sur la réhabilitation. On est sur le bon chemin, on n'est pas fini, c'est pas partout, mais il y a de plus en plus de programmes qui permettent d'aider au rétablissement. Mais c'est vraiment l'idée de les remettre dans leur milieu. Ça, c'est une version un peu modifiée par la Task Force de la gamme de services qu'il faudrait pouvoir cocher, tous. Je vais pas les relire, mais dans les points importants, c'est bien sûr le case manager, c'est bien sûr l'approche familiale. L'approche familiale, ça peut être de l'approche systémique, pourquoi pas, ça dépend des situations, mais c'est de toute façon, dans tous les cas, de la psychoéducation. Ça change complètement les rapports entre le jeune et les parents qui sont pétris d'angoisse, évidemment, quand ils voient ce qui arrive à leur jeune. Et alors, de quoi on a besoin ? C'est aussi qu'ils viennent. Et là, on se heurte à l'organisation des soins, comment ils sont adressés, comment ils sont repérés, etc. Ça, c'est les chiffres de la cohorte du CEJAD. Donc, c'est un article qui a été publié par Alice Aupetit, que je vais donc stimuler pour qu'elle, Jean, je sais pas si c'est encore là, qu'elle publie sa thèse remarquable sur l'accès aux soins, qui avait une approche sociologique, qualitative et quantitative. Et globalement, on n'est pas très satisfait parce que finalement, la principale source de référence, comme on dit, d'adressage, c'est le patient qui a vu notre petit blog, qui est tombé sur la page et qui vient tout seul, ou ses parents, ou son copain qui lui a conseillé d'aller voir. Donc manifestement, on n'a pas encore créé tous les réseaux pour un adressage qui soit un vrai adressage coordonné. Et d'ailleurs, dans l'adressage, une fois qu'on les a pris en charge, etc., lorsqu'il y a besoin qu'on puisse les réadresser sur un professionnel, voilà, il faut qu'on est en train de le construire, parce que ça, du coup, ce n'est pas suffisamment coordonné. Je reviens toujours sur c'est un leitmotiv, c'est comme... C'est comme Mrs. Jones dans les apopines. Quelle est la durée de la psychose non traitée en France? Je vous invite à remplir le questionnaire. Et je voulais citer cette enquête parce que finalement, on n'a peut-être pas suffisamment communiqué là-dessus. C'est une enquête qui a été faite avec la Fondation de Linker et grâce à des soutiens des laboratoires Johnson, en l'occurrence. 600 jeunes, 15-25 ans, ça date que de 2016, et on avait interrogé les parents en même temps et les enseignants. Je vais vous montrer qu'une partie du questionnaire, vous le trouvez sur le site de la Fondation de Nicker. On se posait la question de la représentation des jeunes de la maladie. Rassurez-vous, ils pensent comme les parents et comme les enseignants, c'est-à-dire qu'ils ne s'assieraient pas à côté d'une personne qui souffre d'une maladie mentale dans un bus, et ils ne partiraient pas en vacances avec eux. Et enfin bon, voilà, tous les stéréotypes, ils les ont, c'est contagieux, etc., etc., etc. Donc il y a du vrai travail à faire. Et puis dans ce questionnaire, je vais pas avoir le temps d'en parler complètement, mais dans ce questionnaire, j'avais insisté pour mettre un petit sous-questionnaire sur où je leur posais la question. Donc c'était fait par Internet. Vous, personnellement, vous est-il arrivé dans les 30 derniers jours de ressentir souvent, de temps en temps, ou jamais, chacune des choses suivantes? De dire des choses inappropriées, de perdre de fil de conversation? Je vous laisse lire. C'est clairement des symptômes psychotiques atténués. La plupart des gens vous veulent du mal. Certaines personnes arrivent à contrôler vos pensées. Bon, heureusement, la plupart n'ont jamais ressenti ça. C'est le bleu foncé. Puis après ça, vous avez de temps en temps, dans le mois dernier, et puis vous avez en rouge, souvent dans le mois dernier. Deux leçons. D'abord, cela,
J'aimerais bien les voir pour les évaluer, pour voir ce qui leur arrive. La deuxième chose, c'est qu'ils ont répondu assez facilement. Et ces chiffres-là correspondent à peu près à ce qu'on attend, qui a été fait. Il y a eu des enquêtes par téléphone qui ont été faites en Australie, par exemple. On tombe sur 10% de ces jeunes ont ressenti souvent au moins une fois un de ces symptômes. Ça correspond aux chiffres. Donc on est susceptible, peut-être qu'on sous-estime la capacité de repérer des symptômes fins, simplement par des auto-questionnaires. Donc on est en train de valider avec l'équipe de Philippe le PQ16 qu'on a amélioré en PQ18, parce qu'on trouvait qu'il manquait un peu de symptômes négatifs, avec une très très bonne concordance avec la CARMS. Donc on peut se dire que là on est en phase de le mettre en place dans différentes structures de soins, CMP, urgences, etc. Et on peut se dire que l'accès à un outil comme ça pourrait aider à non pas décider pour le praticien, mais aider le praticien en disant ben oui, il a un score qui est un petit peu élevé, etc. etc. Je vais juste monter trois diapos, parce que je suis à peu près arrivée. Donc le défi, c'est d'adapter ça en France. Hop. Je voulais citer rapidement l'enquête là, qui est réalisée par l'Alliance Otsuka-Lundbeck, qui m'ont autorisé à montrer quelques diapos, très peu, parce qu'il y a une grosse enquête. Il y a eu un premier mapping qui a été fait l'année dernière, et puis on trouvait que l'interprétation était compliquée, parce qu'on n'avait pas été suffisamment précis dans les questions. Donc on a recommencé, on a récidivé avec Guy Gozlan, Laurent Lecardeur, Sophie Meunier, dans le comité scientifique. Et bien sûr, Véronique Narboni. Ça a été étendu à 198 médecins contactés. Alors, ce n'est pas du tout du systématique, c'est tous les gens qui assistent régulièrement aux différentes conférences, chez l'intervention précoce, enfin, c'est nos réseaux, etc., etc. 74 réponses validées. Et alors là, on a été un peu plus stringent et on a posé des vraies questions. Et du coup, on s'est heurté au fait que les gens avaient du mal à répondre à ces questions. Parce qu'il y a peu de structures qui soient des structures indépendantes. Donc du coup, quand on commence à parler quels sont les effectifs que vous avez sur votre intervention précoce, quels sont les files actives, quels sont le nombre de nouveaux cas, ben, ça devient compliqué. Il y a des chiffres qui nécessitent qu'on fouille un peu et je ne vais pas tous les présenter. Une chose que je trouvais intéressante à regarder, donc sur les 33 structures qui sont effectives, entre guillemets, c'est d'autodéclaration, hein, on n'a rien vérifié, mais enfin bon. De l'autodéclaration, donc normalement les gens disent ce qu'ils font. Donc sur les 28 qui ont une unité fonctionnelle autonome, on a regardé un petit peu ce qu'ils mettaient comme service. On voit qu'il y a un gros succès des équipes mobiles. Donc la France semble vouloir adapter le modèle de l'intervention précoce. C'est une primeur, hein. Personne n'a vu ces diapos avant vous, même pas Otsuka-Lundbeck, parce que je n'avais pas fait ce tableau-là avant. Gros attrait de l'équipe mobile, c'est intéressant. Mais on voit que ceux qui ont mis de l'équipe mobile, eh ben, ils n'ont pas forcément le continuum, y compris pour des consultations, donc ça m'interroge un peu, ni d'hôpital de jour, ni de lit d'hospitalisation. Donc ce serait intéressant de voir, de façon un peu qualitative, parce que là c'est simplement des impressions, comment ils gèrent ça et est-ce que c'est satisfaisant ou pas pour le patient. Et puis, finalement, il y a très peu de lits d'hospitalisation complète. Bon, ça peut se concevoir, mais n'empêche qu'il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on en fait le jour où ils ont une rechute, où ils ont un épisode aigu, et vers où on les oriente. Ça, c'est pour montrer que c'est un domaine qui est en train de grimper, puisque finalement, il y a de plus en plus d'années, il y a de plus en plus de structures qui commencent à se mettre en place. Ça, c'est rassurant. Avec un bassin de population, alors on a... Le bassin de population moyen, c'est 735 000, mais finalement, la médiane, c'est 300. Pour la différence, il y a 50% des structures qui ont répondu qui sont aux alentours de 300 000. Ce qui, du coup, est à peu près ce qui est attendu. Ça, c'est simplement pour vous montrer la grande, grande, grande diversité des files actives pour la prise en charge. Alors, ça pose la question, d'ailleurs, le 452, c'est nous, mais parce qu'on a une structure qui est un centre d'évaluation jeune adulte, et c'est pas seulement de la psychose. Donc, du coup, ça fausse complètement, parce que c'est bien sûr, là-dedans, il y en a que, finalement, que ce qu'on prend en sorte, c'est que 270. Et vous comprenez que du coup ce chiffre-là, ben, voilà, on est dans Paris, il y a 2 millions d'habitants autour, mais ce chiffre-là est un problème en fait en soi, parce qu'on ne peut pas proposer des programmes complètement sympathiques. Bon, on a surtout des ultra haut risque et on fait beaucoup d'évaluations, et du coup c'est pas tout à fait la même chose que des premiers épisodes. Je vais finir une diapo et demie. Et puis simplement montrer aussi que quand même les centres ont du mal un petit peu à se départir complètement de prendre en charge aussi des patients chroniques dans leur structure.
Voilà, ça j'ai dit, c'est ma dernière diapo. En conclusion sur trois points. D'abord, c'est un vrai changement de paradigme parce que ça fait bouger des limites, ça fait bouger des frontières. Cette question de stade clinique, cette question de traiter sur une base de quelque chose de prospectif, probabiliste, ça interroge sur le système de soins. Et puis un point dont j'ai peu parlé, c'est qu'on ne peut pas faire de la publicité, entre guillemets, on ne peut pas promouvoir, je vais parler correctement, l'intervention précoce sans vraiment travailler sur la déstigmatisation. C'est ça aussi ce qu'avait pointé le travail d'Alice Aupetit. Parce que si la personne vient très vite, c'est qu'elle est envoyée sur un endroit où la pratique n'est pas du tout celle-là, et bien ça va être très stigmatisant et je ne suis pas sûre qu'on aura gagné au final. Donc il y a vraiment besoin que ce soit un peu national, parce que il faut qu'on réussisse à que dans chacun des coins du territoire, on ait à peu près une ressource ou au moins dans une forme qui commence à s'approcher de ce qui pourrait en tout cas être fait avec les moyens qu'on a. Voilà, je vous remercie infiniment de votre attention.